Alors bonsoir à tous, je vois que notre ami, mon ami Mikatch est avec nous. Salut Mikatch. Salut, bonsoir plutôt, chère Mine, bonsoir chère Maria. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce soir. On a eu quelques petits soucis techniques, mais on va retomber sur nos pattes. Alors, on avait déjà fait un live ensemble qui était déjà autour du thème des femmes. Et ce soir, on a eu envie de parler du néo-féminisme, qu'on a nommé aussi un féminicide d'État. Voilà. On fait le triste constat que le féminisme est tombé dans un extrémisme évident, et en tout cas certains d'entre nous condamnent avec horreur cet état des choses. On peut voir qu'il est propulsé par les médias, par Hollywood, par tout le système depuis déjà de nombreuses années, et par toute la machine de propagande. En tous les cas, ce féminisme, il est utilisé par des gens qui sont très très éloignés de l'intérêt réel des femmes, et puis surtout contraire à l'instinct féminin universel. Voilà, donc on se retrouve dans une situation un peu absurde où les hommes renvoient les femmes à une horrible caricature d'elles-mêmes. Voilà, quand il parle de gynocratie. Et puis pour ce qui est du monde occidental, on a quand même peu d'hommes de talent aux commandes qui méritent le respect. Ça, c'est aussi un autre constat. Donc, ils ont l'impression que ces femmes qui sont au pouvoir, qui sont aux commandes, que c'est une catastrophe. Et donc, voilà, certains s'y opposent farouchement. Voilà, ils n'osent pas souvent dire que à leurs yeux, c'est le patriarcat qui serait vertueux et créateur, et qui se retrouve face à un matriarcat qui serait un peu ressurgi des temps barbares, parfaitement oppressif, tyrannique, digne des sorcières sataniques des temps anciens, ou des deux à la fois. Alors, on se demande dans tout ça si on doit accepter cette doxa médiatique, et qui voudrait que le féminisme voudrait dire toutes les femmes, voilà, et qui voudrait dire un idéal à imposer à la société dans son entièreté par tous les moyens, et qui serait en plus pour notre bien à tous. Voilà, c'est des questions qu'on va poser ce soir. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible dans le démontage de cette espèce d'hallucination collective par le néo-féminisme. Et puis voilà, c'est un phénomène qui est à nos yeux assez hideux. Voilà. Donc ce soir, nous sommes trois femmes et un homme qui vient d'apparaître. Salut Stéphane, j'espère que tu as résolu tes problèmes de micro. Ouais. Ah, on t'entend. Donc, du coup, voilà, ça rééquilibre. Donc, nous sommes trois femmes et un homme. Voilà, et donc nous avons tous ici une sainte horreur des dogmes qui sont soi-disant pour la défense des femmes, du droit des femmes, et donc voilà, tous ces dogmes qui règnent en Occident. Voilà, donc on est très heureuse d'avoir un homme parmi nous, comme ça, ça va équilibrer les choses. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'être un homme, on peut tout à fait être une femme et vomir ce néo-féminisme complètement dément, incohérent, avilissant, et on va même dire criminel. Voilà, on pourrait dire plein d'autres mots. Donc on va essayer de chercher des solutions pour essayer de faire revenir le monde à quelque chose de plus équilibré, et puis surtout bénéfique pour les deux sexes, et puis même peut-être lancer l'idée de changement de cap révolutionnaire.
Voilà, donc ça sera la logique de notre outil à tous les quatre. On va, chacun de nous va parler de parties un peu différentes. Donc Maria va commencer par nous faire un retour historique sur les mouvements féministes et puis leur rapport avec les pouvoirs religieux, législatifs et politiques. Nadia va nous parler après d'une enquête sur la mouvance des femmes. Voilà, qu'on nous a vanté comme étant une avant-garde. Moi-même, je vais essayer de démêler un peu toutes les manigances de l'ingénierie sociale et de ce que ça a produit comme effet sur la société. Voilà, comme vraiment des couleuvres monstrueuses. Et puis Stéphane, lui, va évoquer plutôt un épisode précis où le féminisme a réussi à introduire, à détruire plus exactement, un élan. Voilà, le féminisme a réussi à détruire un élan spirituel à partir d'un livre qui se passe en Algérie, je crois. Voilà, donc écoutez, c'est parti, soyons libres d'expression, voilà, et puis voilà, c'est un grand sujet que nous abordons ce soir. Donc Maria, je vais te laisser la parole pour la partie historique. Voilà, j'ai activé le micro. J'enlève la caméra afin de me concentrer sur mon petit texte. Bon, alors, pour que le programme soit plein de débats, voire d'attaques, hein, d'agressivité, pas contre le public, hein, qui nous écoutera un jour, mais entre nous, hein, parce qu'il faut se disputer pour que ça soit passionnant, eh ben, je vais commencer par défendre le féminisme. Hein. Mais enfin, je vais être rapide. Alors, le passé des mouvements féministes et leur rapport avec les pouvoirs religieux, législatifs et politiques. Chaque époque a eu ses féministes. Ce n'est pas un mouvement propre à la modernité. Les revendications varient selon le contexte et l'époque. Platon se référait déjà à une mystérieuse Diotime de Mantinée, une philosophe dont on ne sait rien, sinon qu'elle avait une influence certaine sur Socrate, qui la respectait particulièrement. Les femmes aiment bien imaginer Diotime de Mantinée comme un être supérieur à ces messieurs. Mais, disent les historiens, ce pourrait aussi bien être un personnage imaginaire. Bref, à toutes les époques, depuis Socrate au moins, des femmes intello et remarquables ont existé. Elles étaient vues comme des exceptions, mais leur présence même comportait une demande de reconnaissance, un degré certain de fierté féminine et de défense de la cause des femmes. Au Moyen Âge ensuite, Christine de Pisan est considérée comme la première femme de lettres ayant vécu de sa plume. Elle est morte en 1430 à Poissy. On lit ceci sur Wikipédia. Les traits de Christine de Pisan qui séduisent les féministes modernes sont en général sa dénonciation des violences masculines contre les femmes, car avec Simone de Beauvoir, elle est considérée comme la première femme écrivant pour défendre son sexe. Alors ça, d'emblée, hein, je répète, c'est faux. Sa pratique du féminin pour les noms de fonctions, ça c'est très moderne, hein, les histoires de auteur-autrice, tous ces trucs-là, bon, c'était déjà chez Catherine de Pisan. Certaines pensées de Christine de Pisan ressemblent à ce qu'on appelle aujourd'hui la non-binarité, en voilà une autre. Son panthéon féminin, dans le texte « La cité des dames », comporte toujours la référence à la sororité. Alors tout ça, ça paraît bien moderne. En outre, et alors là on n'est plus tellement avec nos contemporaines néo-féministes, elle fait l'éloge de Jeanne d'Arc, sa contemporaine, elle lutte pour l'enseignement pour les filles, et Christine de Pisan défendait aussi des vertus tout à fait traditionnelles telles que la chasteté, détestée par nos féministes, et la patience, alors là n'en parlons pas, on les fait toutes bien rigoler. Au XVIIe siècle, j'évoque un autre cas intéressant. On a une religieuse et femme de lettres mexicaine qui s'appelait Sor Juana Inés de la Cruz, qui expliquait qu'elle avait choisi le couvent pour échapper au mariage et aux maternités, pour pouvoir se consacrer librement à l'activité intellectuelle.
Donc le couvent pour elle était vraiment une libération par rapport à sa condition sociale qui n'était pas très commode. Cette Mexicaine fut une créatrice, femme de théâtre, poète et philosophe très proche de Descartes, qu'elle n'a jamais pu rencontrer, hein, puisqu'elle ne sortait pas de son couvent. Elle a été publiée en Espagne, admirée et reconnue à la cour du vice-roi à Mexico et à Madrid. Cette religieuse défendait tout ce que nous défendons toujours, nous les femmes, droit à plus d'autonomie en matière de mœurs, de pensée, de liberté d'expression et de responsabilité publique. Elle savait se moquer des hommes et des autorités religieuses. Si bien qu'elle a eu à se bagarrer avec les religieux de son entourage et de sa hiérarchie, mais contrairement à la légende féministe contemporaine, elle n'a pas été poursuivie ni punie par l'Inquisition, et ça c'est une femme française qui l'a rétablie hein, dans l'université française, c'est très très important de le dire. Sor Juana mourut en odeur de sainteté après avoir vendu sa bibliothèque au profit des pauvres et en se dévouant au service des malades lors d'une épidémie jusqu'au moment où elle attrapa la maladie et en mourut. Donc une vie qu'on peut trouver exemplaire, mais elle n'a pas été béatifiée ni canonisée pour autant. Bref, toutes les ambiguïtés d'un féminisme qui ne cherche pas le scandale ni la subversion, une féministe qui s'est battue dans le cadre de son époque, mais sa légende ne cesse de grandir. C'était vraiment une créatrice d'une envergure exceptionnelle. Or, elle avait en outre une pensée sociale. Elle se sentait solidaire des esclaves africains et des Indiens dans la grande capitale coloniale qu'était Mexico. Or, cette identification avec les couches sociales méprisées et écrasées, on va la retrouver à toutes les époques chez les femmes d'exception, qu'on appelle maintenant des féministes. C'est une extension de la fonction maternelle. On va retrouver ça, par exemple, chez Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, révolutionnaire, qui fut cependant guillotinée, qui se battait pour les femmes, pour qu'elles aient tous les droits des hommes, et pour l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, qui est actuellement la République d'Haïti. Cette même double combativité, pour les femmes, pour les droits des femmes, et pour la défense des opprimés dans la société, on la retrouve chez Louise Michel, la communarde condamnée au bagne, et aussi, au bagne, elle faisait l'école, et on la retrouve aussi chez Flora Tristan, qui était, plus que Louise Michel, une femme de lettres et combattant sur tous les plans. Une petite observation valable pour toutes les époques. Les femmes d'action qui ont pour moteur interne un immense élan de révolte, ce sont très souvent des bâtardes, des filles naturelles d'aristocrates qui les reconnaissent plus ou moins, mais enfin, un statut qui leur interdit d'avoir toute la place de filles légitimes dans leur société. Donc des filles qui ont reçu une bonne éducation, mais qui se sentent personnellement bafouées dans leur dignité. C'est ça leur ressort, cette révolte par rapport à leur situation personnelle. À partir de 1880, certaines femmes se battent pour le suffrage universel. Alors là, c'est un grand moment de férocité de la caricature masculine. Mais il faut bien voir que ce droit de vote, qui a été tellement difficile à obtenir, et je suppose que pas une femme actuellement ne renoncerait volontiers à son droit de vote, même si on sait très bien que c'est pas ça qui règle, qui permet vraiment de donner des solutions aux problèmes de notre temps, mais bon, symboliquement, on aime bien avoir le droit de vote, je pense. Eh bien, le droit de vote avait déjà été reconnu aux femmes à plusieurs occasions, dans différents contextes locaux. Alors, au Moyen-Âge, sous le pape Innocent IX, à Rome, ce droit de vote était reconnu. On est là en 1591. Ensuite, le droit de vote s'impose en Nouvelle-Zélande en 1893. Oui, on a d'abord eu, sous le pape Innocent IX, en 1309, je crois, ce premier épisode.
Alors, à partir du moment où la Nouvelle-Zélande reconnaît le droit de vote, qui est réclamé surtout par les femmes d'expression anglaise, hein, les Anglaises, les Néo-Zélandaises, les Américaines. En France, ce droit, il est acquis plus tard que dans les autres pays européens, en 1944. C'est à partir de ce moment-là qu'on identifie les luttes féminines à la gauche, et on a de grandes militantes ouvrières. Comment ne pas les admirer et les remercier pour le travail accompli dans le cadre des transformations sociales, pour ne pas être traitées en sous-prolétariat. Au départ, la revendication de l'éducation pour les filles, qui est la première revendication, hein, toute classe confondue, hein, mais en particulier une revendication dans les familles bourgeoises. Cette revendication, elle reposait sur un argument irréfutable. Pour être de bonne mère, il faut pouvoir instruire ses enfants. Il faut donc en savoir un peu plus qu'eux. Cela, ce n'est ni de gauche ni de droite, c'est du bon sens. Ça va dans le sens du bien commun, transgénérationnel. Alors maintenant, je vais rentrer dans la critique du féminisme. Il commence très tôt en France avec l'œuvre de Molière, qui critique les femmes savantes et les précieuses ridicules. Alors là, il s'agit de féministes qui appartiennent à l'aristocratie, puis à la haute bourgeoisie oisive, un féminisme qui développe des revendications propres et des revendications subversives au nom des femmes en général, alors qu'elles-mêmes représentent une classe sociale minoritaire et qui a des intérêts très particuliers qui ne sont pas du tout les mêmes que les femmes ouvrières, par exemple. Là, vraiment, commence le divorce historique entre les féministes et les femmes, tout simplement. Par exemple, donc les femmes dont Molière se moque avec férocité, ce sont celles qui prônent la liberté sexuelle plutôt que la protection des fonctions et des vertus liées à la maternité. Elles voudraient se centrer exclusivement sur la recherche d'une identité féminine à imposer au nom de la justice et de l'égalité. Mais c'est aussi une façon de se couper de la réalité vivante d'une société, une société qui a besoin de la complémentarité des sexes, en accord avec l'instinct amoureux des deux côtés, et surtout de pratiques responsables, en fonction de l'intérêt des enfants. Et très vite, on découvre que plusieurs groupes se portent candidats à la manipulation massive des femmes au nom de l'égalité des droits. Dans le patronat, par exemple, on a besoin de main-d'œuvre féminine parce qu'elle permet de faire baisser les salaires, parce qu'elles sont en concurrence avec les hommes. Donc, on va avoir une branche du patronat qui est féministe à fond. On comprend pourquoi. Ils vont s'investir dans le droit à l'indépendance financière pour les femmes, grâce à leur entrée dans le monde du travail. D'autres hommes qui ont tout à fait intérêt à être féministes, les politiciens, les hommes politiques, certains ont besoin de femmes repoussoires, mais d'autres, d'électrices qu'on va séduire par des promesses démagogiques. De même, dans l'industrie pharmaceutique, comme dans toutes les industries, eh bien, on a besoin de consommatrices. Alors, pour l'industrie pharmaceutique, ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin de femmes qui prennent la pilule. Ça, c'est à partir des années 60. Bref, plus le féminisme prend de l'ampleur, plus il devient un outil ou une arme pour mieux attirer les proies habituelles, la majorité des femmes. Cependant, si les égéries qui se réclament du féminisme ne sont jamais populaires parmi les femmes, la résistance des femmes au féminisme s'exprime de façon passive. C'est-à-dire que toutes les femmes trouvent que les féministes exagèrent, qu'elles sont excessives, extrémistes, et on n'aime pas ça. Mais cette résistance au féminisme, elle s'exprime de façon passive. Comment ? Les femmes continuent à rêver d'un bon mari pour la vie, d'une famille nombreuse qu'elles sauront rendre une famille heureuse, de métiers stables où leur générosité est mise en valeur, sans prise de risque et donc avec pas trop de responsabilité. Comme c'est bien connu, tous les métiers dans le monde médical, les femmes préfèrent être infirmières plutôt que médecins. Ce que les femmes aiment instinctivement, c'est se situer dans le sillage des hommes qu'elles ont envie de servir et d'aider parce qu'ils le méritent, parce qu'elles les comprennent et qu'elles les admirent. Ça, c'est la sensibilité féminine normale. Comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme.
mais c'est une femme qui généralement choisit de rester dans l'ombre. Les femmes sont fières des rôles où elles peuvent avoir une énorme influence sur les décideurs, mais cela dans le secret du foyer, tout en restant discrètes. La pudeur est certainement une qualité instinctive chez les femmes, la pudeur physique. La modestie, la discrétion sont des extensions de la pudeur. On n'a pas envie de montrer notre corps à tout le monde parce qu'on se sent devenu proie. On n'a pas envie non plus de montrer forcément ou d'étaler nos talents. Le dévouement comble les femmes à condition qu'ils trouvent de la récompense, de la gratitude quand même. Alors, je ne parle ici que des qualités féminines. Les femmes ont une autre facette, ont de nombreux défauts. C'est pas la peine d'en parler parce que ça, les hommes les dénoncent cruellement. Ce n'est pas nécessaire d'insister aujourd'hui là-dessus, mais bien sûr, la face sinistre des femmes, elle existe aussi. La dévotion maintenant, c'est le débouché spirituel naturel du dévouement. C'est le dévouement à un être qui est au-dessus des hommes. Remarquez qu'il y a la même parenté linguistique et sémantique entre la pitié et la piété. Quand on est capable de compassion, on est déjà en train de rentrer dans le domaine religieux de la piété. C'est pour cette raison que les femmes recherchent naturellement la religion en tant qu'ensemble de structures protectrices et consolatrices. Ensemble de structures et de structure mentale, la fabrication des structures mentales, c'est ce que nous offre la religion. Depuis le curé confesseur jusqu'à la Sainte Vierge, idéal féminin tant pour les hommes que pour les femmes, en passant par le culte des saints qui intercède pour nous auprès des autorités divines. C'est là-dedans, dans cette mesure-là, que les femmes, dans l'univers européen chrétien, les femmes s'identifient vraiment plus que les hommes à la religion. Elles s'identifient et elles s'investissent. En Europe, on a coutume de se moquer des moines en disant « Ah oui, ce sont des hommes-femmes, des hommes qui basculent du côté féminin. » Parce que les femmes, c'est celles qui s'intéressent le plus à la religion. Alors, une femme à mentionner dans ce domaine, c'est Sainte Thérèse d'Avila, qui est le type même de l'intellectuel et de la femme d'action à la fois, et qui s'est investie entièrement dans l'Église, puisque elle a su réformer l'ordre des Carmélites dans le cadre de l'Église, ce qui veut dire un combat énorme. Toute structure qui prend un peu de bouteille tente à se laisser corrompre par des mauvaises habitudes, de la corruption au sens propre, le confort, etc. Donc, redresser la situation dans un ordre, c'est une tâche nettement virile. Donc, Sainte Thérèse d'Avila a été un modèle dans ce domaine-là. À noter qu'elle avait pour disciple et collaborateur Saint Jean de la Croix, qui était beaucoup plus jeune qu'elle. Ne pensez pas à des situations contemporaines qui nous font sourire. Tous les deux, ils étaient de famille juive. Ils étaient en totale symbiose, donc dans leur conversion, dans leur maniement de culture très profonde, aussi bien dans le monde juif que dans le monde chrétien. Ils ont exalté et consolidé à la fois l'Église et la condition féminine, telle qu'elle se déploie dans l'amour. Et ça, c'est très original. La poésie de Saint Jean de la Croix, il s'exprime, lui, en tant que femme, femme amoureuse. C'est ça, le rôle qu'il se donne dans son rapport à Dieu. Donc, tout en haut de nos aspirations communes, en toute féminité, se retrouvait Saint Jean de la Croix et ce petit jeune homme, non, Saint Jean de la Croix, le jeune homme, et la dame mûre, enfermée dans son couvent, Sainte Thérèse d'Avila. De fait, donc, la religion chrétienne, du moins, a vraiment toujours été le rempart de la condition féminine. Si on pense aux origines de la mise en place des structures ecclésiastiques, les premiers siècles de notre ère, c'est le christianisme qui implante la loi du mariage monogame en Europe, ce qui constitue une promotion sociale énorme pour les femmes. Un homme
égale une femme, c'est un niveau d'égalité entre les sexes qui n'existait pas dans les sociétés européennes. Ceux et celles qui n'étaient pas tentés par ce cadre de la conjugalité permettant la fondation des familles peuvent se retrouver entre gens du même sexe à l'abri des couvents et des monastères. Donc, c'est aussi une façon de donner un statut aux gens tentés par l'homosexualité ou en tout cas absolument pas intéressés par la vie familiale. Les couvents, les monastères sont des unités de production, des centres de protection médicale et sociale, des réseaux éducatifs très diversifiés, et ce sont vraiment des forteresses protégées des empiétements de l'autre sexe. Dans le surgissement de l'islam, que je ne connais pas beaucoup, on sait quand même tous que la polygamie bien réglementée a constitué une amélioration de la condition féminine antérieure, d'autant plus que le droit donc en islam est plus favorable aux femmes que le droit européen en matière d'autonomie financière et de transmission du patrimoine. Au XIXe siècle, au XXe, les sociétés européennes se laïcisent, la sécurité sociale, le réseau hospitalier, l'éducation échappent à l'Église. En France, c'est 1905, à l'année charnière où tout bascule, où l'Église perd énormément de terrain dans ses fonctions sociales qui véhiculaient la morale chrétienne. Mais on peut remarquer que les valeurs que défendait l'Église restent présentes dans les valeurs républicaines. Par exemple, la protection des pauvres et des faibles, le respect dû à chaque personne, l'égalitarisme de type socialiste face aux abus des puissants. Tout ça, la République naissante, disons surtout au XXe siècle, défend toutes ces valeurs, mais tout cela vient du christianisme. Pensons au rôle de Clara Barton, fondatrice de la Croix-Rouge. C'est une véritable mère Teresa laïque. Elles ont toutes les deux beaucoup de points communs. Et elles sont toutes les deux aussi intraitables dans leur combat pour des valeurs qui sont vraiment comparables, même si elles ne se réclament pas toutes les deux, vous voyez, du christianisme. Alors maintenant, la situation actuelle, c'est à mon avis que le féminisme a gagné tellement de terrain qu'on aboutit au niveau législatif à des inversions du droit, des pratiques et des rôles. On est dans cette étape-là. On a trop gagné de batailles. Nous, les femmes, et parmi nous, malheureusement, donc les féministes qui sont devenues folles, ivres de pouvoir. Alors, dans notre étape contemporaine, on a par exemple ce qu'on appelle les droits reproductifs. Et la promotion par toutes les instances internationales et la promotion au niveau du langage le plus courant, le plus commun dans toutes les langues, la promotion des droits reproductifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas de nouveaux droits pour les femmes, c'est tout simplement l'incitation, par une propagande mensongère, à la contraception chimique et à l'avortement, les deux à la fois. Et sans que personne n'ait un droit de regard en la matière, puisqu'on dit qu'il s'agit d'un droit des femmes, et donc d'un droit absolument universel, et qui devrait être considéré comme un droit naturel. Malheureusement, développer sans possibilité de débat, la contraception à outrance, l'avortement à outrance, avec cet argument démagogique du droit reproductif, eh bien, on oublie que il y a un enjeu qui va bien au-delà de ce qui peut séduire ou intéresser les femmes, c'est l'enjeu du renouvellement de l'humanité et de la santé mentale des générations suivantes. Donc, de fait, on a donné une toute puissance aux femmes, avec la maîtrise de la sexualité, pour construire ou détruire des familles, et cela explicitement contre les hommes. Autre cas extrême de cette inversion des valeurs qui va se traduire dans le droit. En cas de plainte pour viol, la législation contre le viol s'est beaucoup développée ces dernières années. Les punitions sont de plus en plus sévères. On a le droit de déposer plainte pour viol jusqu'à 30 ans après les faits invoqués. Enfin bon, les hommes sont vraiment acculés dans cette histoire. Dans la pratique des tribunaux, de fait, en cas de plainte pour viol,
de la part d'une femme, l'homme est toujours présumé coupable, en contradiction avec tout le système juridique de tous les pays civilisés. C'est sur ce terrain que l'on perçoit le mieux la politique de manipulation d'envergure mondiale qui est à l'œuvre sous prétexte de droits des femmes. Autrefois, un opposant politique paraissant dangereux se faisait assassiner. Maintenant, eh bien, on arrive à l'assassiner avec une simple accusation de viol. Je m'explique. Le cas le plus éclatant, c'est celui de Julian Assange. Il s'est vu accusé par deux jeunes Suédoises consentantes à des relations sexuelles. Elles l'ont accusé de viol. Cela a suffi pour le tenir à la merci des autorités britanniques depuis 2010, parce qu'il a fui la Suède pour ne pas être mis en prison. Donc, les Britanniques ont réussi à le séquestrer, alors qu'il était immensément populaire dans le monde entier pour son courage à dénoncer les atrocités commises par l'armée des États-Unis en Irak. Et bien d'autres scandales dans tous les pays, grâce à l'activité de Wikileaks. Donc ça a commencé, on a pu commencer la persécution contre Julian Assange grâce à ces deux jeunes Suédoises. Au bout de 10 ans, eh bien, les tribunaux suédois ont fini par reconnaître qu'il n'y avait pas de preuve de viol. Et donc, il est déclaré innocent, ou du moins, il y a un non-lieu, parce qu'il n'y a pas de preuve. C'est-à-dire que ces dames, eh bien, elles ont pu donc le faire mijoter pendant 10 ans dans une situation de réprouvé, de criminel, simplement au motif de relations sexuelles par surprise. Deux femmes consentantes, mais qui disent qu'il y a eu un problème avec le préservatif, qu'il aurait dû, gna gna gna, dans le feu de l'action. Et bien avec ça, on a coincé un héros de notre temps. Et maintenant, les États-Unis réclament ouvertement de pouvoir juger Julian Assange pour espionnage, pour des délits de type politique, mais il n'aurait jamais pu le faire s'il n'y avait pas eu ces 10 premières années pour l'affaiblir, pour lui retirer sa popularité. Il est maintenant menacé de mort physique, bien sûr, ou de 250 ans de prison. Il a le choix. Bon. On a encore quelques étapes dans les appels, etc. Peut-être qu'il s'en sortira, mais pour le moment, c'est quand même très mal barré pour lui. Et tout ça à cause de deux petites Suédoises jeunes et, selon l'habitude des Suédoises, particulièrement femmes faciles. C'était peut-être leur droit, mais le résultat, à mon avis, elles devraient se suicider. C'est une situation lamentable. On suppose que quand une femme se donne à un homme, c'est parce qu'il y a un minimum d'amour, d'admiration, de respect, que ce n'était pas pour lui faire la peau. Bon, c'est ce qu'elles ont réussi à faire. Alors, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, la photo d'Antoinette Fouque, féministe française très très importante, mais qui est maintenant est morte, qui représentait le pire dans les tendances du néo-féminisme qui prospère maintenant, au point qu'elle était quand même parmi les rares féministes à défendre la GPA, dans l'idée qu'il fallait absolument que les femmes puissent être libérées de la maternité. Qu'il y ait des femmes complètement mises en esclavage pour fabriquer les enfants des riches, ça ne la gênait pas. Cette femme a eu une énorme influence, malheureusement, même si la plupart des féministes maintenant se battent contre la GPA, mais elles sont quand même très loin d'être cohérentes dans leur démarche. Alors, maintenant, avec la légalisation de la PMA pour toutes les femmes, sans motif de stérilité médicalement reconnu, ni rien de tout ça, on a affaire à ce qu'on appelle un nouveau droit, qui est encore déjà un droit criminel de plus, puisqu'il s'agit du droit pour une femme de se procurer un enfant grâce à une assistance médicale, en tenant légalement et définitivement le père de l'enfant à distance. Mais on ne sait pas encore les effets de cette loi. À mon avis,
On n'a pas de statistiques parce que c'est trop récent. À mon avis, il est probable que, pas plus que le mariage entre homosexuels, cette nouvelle liberté théorique ne fera décoller la natalité française de façon sensible. Alors, qu'est-ce qu'on doit aux militantes homosexuelles ? On leur doit leur énergie, une énergie peu commune, hein, une virilité qui produit des résultats. Il en faut, hein, des femmes qui se bagarrent, des femmes qui luttent et qui forcément, dans la tension du combat, vont être peu portées à la sensualité. Imaginez Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, la légende dit qu'elle sentait très mauvais. C'est-à-dire que c'était une jeune fille qui n'avait pas l'intention de séduire qui que ce soit. Je ne sais pas du tout si elle avait des tendances homosexuelles, mais elle avait des tendances viriles qui l'écartaient, hein, de tout l'hédonisme que défendent actuellement une partie des féministes, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles. Hein. De toute façon, elles vont toutes défendre leur célèbre droit au plaisir. Bon. Alors, le droit au plaisir implique la supposée victoire pour les femmes de l'extension constante du droit à l'avortement. Je ne voudrais pas rabâcher un sujet qui est tragique et qui va au-delà de la question du néo-féminisme. C'est pas seulement la question de la folie féminine qui est en jeu. Mais l'histoire du droit à l'avortement, il est très intéressant parce que ça révèle l'illogisme foncier et monstrueux du néo-féminisme. Pour lutter contre une idéologie qui nous déplaît, plutôt que de balancer nos arguments, ce qui peut ne pas avoir d'effet, montrer que notre ennemi est illogique. Ça peut quand même aider beaucoup de gens à réfléchir, à chercher plus de cohérence ailleurs. Donc je finirai sur une citation de la philosophe Marion Duvaucher. L'arbitraire est désormais au principe même de nos sociétés. Il se fait sentir tout particulièrement dans une loi sur l'avortement légalisant le meurtre des enfants non nés mais conçus. La loi permet ainsi de tuer, comme si l'enfant appartenait à sa mère, légitimant par ailleurs l'effroyable réduction de la femme à son ventre. Elle n'est pas censée avoir un cerveau ni un cœur. Réduisant ainsi le corps de la femme à n'être qu'un corps biologique, donc animal. C'est la destruction même du pacte social humain, car le pacte social humain comporte intrinsèquement l'interdiction du meurtre. Et la conscience. Chaque être humain est doté d'une conscience. Nous sommes ainsi devant cette terrible absurdité d'une société qui, d'un côté, prétend juger de la vie et de la mort des innocents, mais qui se refuse à juger de la vie et de la mort des coupables. Elle signe ainsi la croyance en la toute-puissance de l'homme sur l'homme, déclarant ainsi formellement son apostasie. Fin de la citation. Difficile de ne pas en conclure que nous sommes à la fin d'un cycle. Toute la société semble, avec son encadrement juridique et législatif, avoir basculé dans l'absurdité suicidaire. Ces tendances suicidaires, qui correspondent pour une bonne part au projet féministe de renversement des exigences patriarcales, donnent déjà un résultat immensément catastrophique, la baisse de la natalité, général dans tous les pays influencés par l'Occident, à l'exception de ce que pratiquent les couples se rattachant fermement aux religions traditionnelles de leur famille. Les gens qui revendiquent l'incroyance ne se reproduisent plus, et donc ils sabotent efficacement l'avenir de leur pays, désormais fragilisé au plan de l'existence physique de ses habitants. Mais si nous sommes en train de toucher le fond, nous pouvons aussi rebondir. J'ai envie de dire, je m'abstiens de formuler ma conclusion, on verra plus tard si elle est nécessaire. Les idées que chacun peut avoir pour inverser un peu la tendance. Écoute, magnifique intervention, Maria. Oui, c'est peut-être pas mal qu'on fasse nos conclusions au même moment, en effet. Écoute, est-ce qu'il y aurait quelque chose pour rebondir sur tout ce brillant exposé Non, je dirais peut-être en substance, il y a de grandes femmes et de grands hommes, et puis
Il y a des femmes peu respectables, mais pareil pour les hommes. Voilà, c'est pas une histoire de sexe. Alors, on va aborder le deuxième sujet avec Shermine. Oui, bonsoir à tous. C'est tout à fait différent, mais je pense que chacun de nous, ça n'a échappé à aucun de nous, effectivement, les irruptions dans la rue des femmes qui venaient d'Ukraine, d'ailleurs, on va le rappeler au passage. Voilà, on a tous vu des images, certains ont trouvé ça merveilleux, d'autres profondément choquant. Donc je vais te laisser la parole, Charmi. Merci beaucoup. Alors bonsoir à tous, bonsoir au chat. Alors, on va parler des femmes, qui est un mouvement féministe radical. Alors, je vais expliquer ce que je vais, les points que je vais traiter ce soir. Donc, je parlerai dans un premier temps des fondatrices. Elles sont trois. Ensuite, de Inna Shevchenko, qu'on voit très régulièrement en ce moment dans les médias, parce que elle défend l'Ukraine par rapport à ce qui se passe actuellement, forcément puisqu'elle est ukrainienne et femme. Et ensuite, on parlera des... Parce qu'il faut savoir que beaucoup de membres ont quitté le mouvement parce qu'elle le trouvait un peu sombre. Et donc, on parlera d'une ex-membre qui s'appelle Héloïse Bouton et qui a écrit un livre à ce sujet. Et on terminera par les financements. Le financement du mouvement. Alors, les fondatrices... Alors, le mouvement féministe... C'est donc les femmes, c'est donc un mouvement féministe radical qui est plus connu sous le nom de sextrémisme. Il a été fondé en Ukraine en 2008 par Anna Hutsol et ses cofondatrices Alexandra Shevchenko et Oksana Tchatchko. Ce mouvement est donc athée et anti-religieux et leur slogan est « Sors, déshabille-toi et gagne ». Ces femmes font donc leurs actions en topless parce que leur corps est leur arme et elles portent une couronne de fleurs sur la tête qui signifie la féminité et l'héroïsme. Leur objectif, c'est la victoire sur le patriarcat. Elles disent lutter contre l'industrie du sexe, la dictature et l'extrême droite, et contre les institutions religieuses. Selon elles, la femme évolue dans un monde d'économie, de culture et d'idéologie masculine, ce qui fait de la femme une esclave qui est privée de son droit à la propriété, et surtout à la propriété de son propre corps. Pour elles, retrouver leur liberté, c'est reprendre les rênes de leur sexualité. La nudité représente pour elles la lutte contre le patriarcat, et avoir les seins à l'air, c'est sortir leurs armes. Alors, selon différentes théories, les femmes seraient utilisées par les États-Unis comme une arme pour déstabiliser les pays du Moyen-Orient. Alors, par rapport aux cofondatrices, on va s'attarder sur le cas de Oksana Tchatchko, qui s'est suicidée le 23 juillet 2018. Elle a été retrouvée morte dans son appartement de Paris. Elle n'aurait pas supporté d'être évincée de la direction du mouvement, tout comme l'autre cofondatrice, Sacha Shevchenko. Alors, un auteur qui s'appelle Olivier Goujon a écrit un livre sur les femmes qui s'appelle « Femmes, histoire d'une trahison » et il explique que tous les pouvoirs auraient été accordés à Inna Shevchenko, qui est l'égérie actuelle du mouvement. Et pourtant, c'est la sœur de Sacha. Alors selon Olivier Goujon, je le cite, « Les femmes auraient été récupérées politiquement par d'autres qui n'ont cessé d'être dans le calcul ou la récupération, jusqu'à plonger le mouvement dans un système marqué par un ego malsain. Le harcèlement moral sur personnes vulnérables et la mise en danger d'autrui. Sacha Shevchenko et Oksana Tchatchko seront, selon lui, purement et simplement chassés du mouvement avec une violence inouïe. Alors, Inna Shevchenko, qui est l'égérie actuelle du mouvement, est une Ukrainienne de 31 ans. Elle dénonce sur les réseaux sociaux l'invasion russe et la lâcheté de la diplomatie occidentale. Elle appelle donc les Français et les Européens à soutenir l'Ukraine et elle a dit récemment dans les médias « Cette guerre est réelle, cette souffrance est réelle, c'est une vraie guerre au cœur de l'Europe et si ceux qui lisent ceci pensent qu'ils ne sont pas concernés, je dois les alarmer. Cette guerre vous concerne plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Pour elle, l'Occident a fait preuve de lâcheté car il a laissé Poutine mettre en place son plan diabolique. Donc pour eux, Poutine est un malade, un agresseur en série. Donc les femmes ont fait énormément d'actions contre lui et contre le système russe. Depuis le début de la guerre, donc le 6 mars exactement, elles ont fait une action devant la Tour Eiffel avec des couronnes de fleurs et leur corps peint aux couleurs de l'Ukraine. Alors il faut savoir que Inna Shevchenko avait tronçonné une croix catholique en 2013 sur une place de Kiev. Et elle a obtenu le statut de réfugiée politique en 2013 en France. Donc depuis, elle vit en France.
Alors, il faut savoir qu'elle a dirigé énormément de manifestations en France. Donc, c'est elle qui gère le mouvement actuellement. Et par exemple, elle a dirigé la profanation de Notre-Dame par rapport à la renonciation de Benoît XVI. Excusez-moi. Elle a créé aussi des centres d'entraînement pour les militantes. Et récemment, elle a inspiré... elle a inspiré des dessinateurs pour représenter la Marianne qui se trouve sur les timbres. Donc ça, c'était à l'époque de François Hollande, en 2013. Alors, on va parler maintenant de Héloïse Bouton, qui est une ex-fémène, qui a dénoncé pas mal de choses. Elle était pourtant secrétaire du mouvement, c'était donc un pilier des fémènes, et elle participait à énormément d'actions. C'est elle qui a participé à l'action de la profanation à Notre-Dame de Paris. Alors, il faut savoir que ces militantes qui ont fait toutes ces actions ont été très vite relâchées. Elle a quitté donc le mouvement suite à de nombreux différends avec Ina Shevchenko et d'autres membres. C'était comme une guerre d'égo. Elle a écrit un livre, Confession d'une ex-fémène, dans lequel elle raconte que Ina Shevchenko veut faire de ses adhérentes une armée de soldats. Elles avaient régulièrement des entraînements très difficiles. Et pour certaines, elles n'en pouvaient plus, en fait. Elles ne pouvaient plus continuer, donc beaucoup sont partis. Beaucoup d'adhérentes aussi s'identifiaient à Ina Shevchenko, mais elle faisait des régimes et se teignait les cheveux en blond platine. Voilà, pour elle, c'est une idole. Le fonctionnement interne était selon elle désastreux, défaillant et nocif. Il y avait aussi la question des financements, qui pour elle n'était pas claire. Le financement de la branche française provenait de cotisations des adhérentes ou de ventes d'objets à leur effigie, mais la question du financement de la branche ukrainienne restait en suspens. Elle n'a jamais reçu de réponse à ce sujet. D'ailleurs, beaucoup d'adhérentes ont quitté le groupe à cause de ça. C'est le cas de Amina Zboui, une féministe tunisienne qui a rejoint le mouvement assez tard, mais qui ne resta pas très longtemps parce qu'elle le trouvait douteux. Et donc, elle est partie. Alors, Ina Shevchenko explique que les Fémènes est une association et donc qu'elles vivent grâce aux cotisations. Donc, en sachant que les cotisations, c'est 10 euros à peu près par an, je ne pense pas que ça permette de financer toutes leurs actions. Alors, par rapport au financement, moi, j'avais retrouvé sur pas mal de sources que le milliardaire Soros avait financé d'actions. Il finançait pendant un moment aussi le mouvement, mais par contre, il aurait dit qu'il arrêtait parce qu'il s'en prenait beaucoup aux Juifs. Alors, est-ce vrai ou pas? J'ai pas trouvé de source à ce sujet. Et selon un blog, lescrises.fr, qui est dirigé par un certain Olivier, il a repris l'enquête d'un autre Olivier qui s'appelle Olivier Pechter, qui a beaucoup fait de recherches sur les fémènes, puisque certains journalistes avec qui il travaillait avaient été infiltrés dans ce mouvement. Il a expliqué pas mal de choses parce que c'est quand même très, très, très complexe. Il faut savoir que donc le mouvement, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été fondé par trois femmes, mais pas que. Donc, les premiers fondateurs sont Anna Hutzel et un certain Victor Sviaski. Ils se seraient rencontrés quand ils étaient adolescents. Ils étaient militants au sein de la jeunesse communiste, avec aussi Sacha et Oksana, celle qui s'est suicidée. Et donc, ils ont créé pas mal d'associations, ils ont fait partie de plusieurs partis. Ils étaient d'abord dans des partis plutôt soft, on va dire, et ensuite ils ont été récupérés par des mouvements plus radicaux comme les néo-fascistes ou des groupes de skinhead. Alors parmi ces partis, on peut retrouver la coalition des partis de la Révolution Orange, mais aussi la Confraternité de Saint-Luc, qui est un groupuscule actionniste extrême droite qui s'est fait connaître pour avoir profané un monument en mémoire des combattants soviétiques ayant lutté contre le nazisme, ainsi que du Comité Noir, qui est un petit mouvement d'extrême droite présent dans toute l'Ukraine. Et certains de ces militants ont été condamnés pour avoir mis le feu à une résidence d'étudiants africains et attaqué un centre social juif. Alors, il faut savoir que les fémènes sont athées, forcément, ça, je l'avais dit au début, et elles le revendiquent et font de la lutte contre l'islam une de leurs priorités. Les fémènes voulaient devenir le premier mouvement féministe européen, mais elles n'étaient pas assez connues. Mais grâce à la Biennale de Venise, elles ont réussi à faire parler d'elles. Et la France s'en est rapprochée. D'ailleurs, au sein de la gauche française, les fémènes ont pu s'attirer beaucoup de soutien de la part des Verts, du parti de gauche, mais aussi du PS.
Il faut dire qu'en s'installant à Paris, elles ont fait de l'extrême droite catholique un adversaire médiatique. Leur avocat est Patrick Klugman, figure du Parti socialiste parisien et membre de la revue La Règle du Jeu. Pascal Brice, un atlantiste qui dirige l'organisme en charge du droit d'asile qui s'appelle l'OFPRA, a offert en un temps record à l'Ukrainienne l'asile. Mais il faut savoir que c'est un proche aussi de Caroline Fourest. Un an plus tôt, c'était un autre membre, ami de Caroline Fourest, le néoconservateur François Zimbray, ex-ambassadeur des droits de l'homme, qui se montrait particulièrement bienveillant envers Inna Shevchenko. Alors, la revue La Règle du Jeu, dirigée par Bernard-Henri Lévy, a été à la pointe dans la défense du mouvement. Donc, ils soutiennent vraiment le mouvement, et c'est encore le cas. L'association Femen a elle-même été fondée par celle qui est encore proche de Caroline Fourest, oui, Safia Leddi, qui est issue de Ni pute ni soumise, à qui on doit l'introduction dans le débat français de l'expression fascisme vert. Alors, un jour, Inna Shevchenko a dit « Nous ne sommes pas dans un État islamique ». Donc, pour eux, vraiment, l'islam est devenu une grande priorité. C'est-à-dire que depuis qu'elles sont en France, elles tapent sur l'islam, mais de plus en plus fort. Une citation que j'avais trouvée dans le Huffington Post. Nous sommes en guerre, une guerre entre deux époques, une guerre entre une mentalité rétrograde qui appartient au Moyen-Âge et une mentalité progressiste bien ancrée dans le XXIe siècle, une guerre entre la liberté et l'oppression, une guerre entre la démocratie et la dictature, une guerre entre ceux qui traitent les femmes comme des chiens et celles qui crient « nous sommes des femmes, nous sommes des êtres humains », une guerre entre ceux qui croient aux superstitions et ceux qui ont l'esprit clair. Donc comme pour tous les mouvements, quels qu'ils soient, on peut citer les LGBT ou autres, les femmes sont instrumentalisées par les réseaux néoconservateurs et c'est la France qui les a accueillies sur son territoire. Le but étant de détruire les religions tout simplement. Inna Shevchenko est la protégée de Caroline Fourest, voire même plus. D'ailleurs, j'ai retrouvé un article de Libération qui date de 2014 et qui parle d'un livre qui a été écrit par Caroline Fourest sur Inna Shevchenko, une romance militante. J'ai repris un petit paragraphe qui dit « Sur les Femmes, ce n'est pas le premier documentaire ni ouvrage qui paraît, mais c'est sans doute le plus intime. » Dans Inna, donc c'est le titre du livre qui sort cette semaine chez Grasset, Caroline Fourest raconte la vie d'Inna Shevchenko et à travers elle, du mouvement féministe d'origine ukrainienne, avec une touche supplémentaire par rapport aux biographies habituelles, la description à mots plus ou moins couverts d'une romance amoureuse entre la journaliste et militante et l'activiste. Donc voilà. Une relation entre les deux. Donc on comprend pourquoi elle se bat pour elle. Voilà. Merci. Moi, il y avait des choses que je connaissais, d'autres que je connaissais moins. Mais est-ce que les uns les autres, vous voulez réagir à Maria? Oui. C'est un mouvement qui peut évoluer. En tout cas, ce qui est le plus important pour la France, hein, c'est le jour où elles ont envahi l'église de la Madeleine pour y mimer un avortement. C'était en 2015. Alors là, c'est ce qu'elles ont fait de plus scandaleux et il ne faudrait pas l'oublier. C'est difficile de comprendre leur motivation puisque elle joue contre elle-même, hein. Montrer sa poitrine, c'est en même temps se prostituer. Bon, c'est affreux, c'est pas normal du tout. Hein. Se montrer nue dans une démarche amoureuse, c'est normal, mais pas dans une démarche de pure publicité et de haine des gens qu'elles veulent combattre. C'est pas normal du tout. Il n'y a aucune cohérence au niveau psychique. Donc, je crois moi que le fond de leur pensée ou de la pensée des gens qui les télécommandent, qui sont pas forcément des femmes, hein, c'est très probablement des hommes, eh ben c'est l'hostilité aux religions, la provocation donc contre le catholicisme, c'est très grave, c'est très profond, ça va très loin de leur côté.
comme on disait dans le live d'hier soir, elles attaqueront certainement beaucoup moins une mosquée. Elles n'auraient pas l'idée d'aller mimer un avortement dans une mosquée parce que la réaction serait beaucoup plus violente. Bon, donc le catholicisme, c'est un bastion affaibli. Et les gens qui manipulent ces pauvres petites gamines suicidaires toutes, hein, elles passeront toutes un jour ou l'autre chez le psy et finiront suicidées d'une façon ou d'une autre. Leur grand ressort, hein, c'est vraiment d'éradiquer la spiritualité, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus élevé chez nous. On peut faire des erreurs, mais ce n'est pas un plan à combattre. On ne peut pas combattre le plan de la religion, ce n'est pas possible. Le néo-féminisme, son drame, c'est qu'il se construit sur les aspects les plus moches de la personnalité féminine. Au lieu de se servir ou de faire produire nos sentiments les plus nobles, eh bien, on fait travailler nos instincts les plus bas. Dire « mon corps m'appartient », ça veut dire « je tue des gosses et je ne m'occupe que de mon plaisir et j'exige du plaisir dans des relations amoureuses, hein, quitte ensuite à envoyer le bonhomme que je suis arrivé à berner, à l'envoyer en tôle pour 20 ans, c'est pas possible. On ne peut rien fonder sur des sentiments pareils, c'est impossible. C'est tout. Complètement d'accord avec ce que tu dis, que ça fait ressortir le pire de l'aspect féminin, tout en voulant faire croire qu'on serait tout inclus là-dedans, ce que je trouve particulièrement monstrueux. Et puis par rapport à l'historique que tu as fait, on voit aussi que le niveau d'agressivité, de déviance à d'agressivité est vraiment progressif. On espère qu'on est arrivé au paroxysme. Voilà. Peut-être Stéphane, comme on ne t'a pas entendu jusqu'ici, si tu as... Alors, vous m'entendez là ? On t'entend. Oui. D'accord. Oui, alors ça fera relativement bien la transition. Si vous pensez que ça va être le moment pour moi d'intervenir avec ce que j'ai à dire concernant d'une part l'instrumentalisation des femmes qui finalement je veux dire quelque chose d'un peu plus optimiste que ce que vous avez pu dire, c'est en fait on se rend compte que les femmes dans cette histoire sont prises dans une cage. La première victime du féminisme c'est la femme, mais l'objectif du féminisme c'est la famille. Et ça fait bien longtemps que c'est à l'œuvre, parce que la famille, le clan et les solidarités familiales qui sont les plus fortes sont de toute façon ce qui permet de faire vivre une société. Donc on a pas mal d'exemples comme ça de ces manipulations. Et puis bon, bah derrière, je vais pas dire derrière une femme il y a un homme parce que c'est un peu grossier, mais au niveau de la, vous parliez de Soros, mais moi l'exemple que j'ai eu avec Khalida Messaoudi, dont j'ai découvert le visage hier, je la connaissais même pas, j'ai même appris hier qu'elle avait changé de nom. Car en fait, elle a continué sa carrière. Bah, c'est pareil, c'est quelqu'un qui finalement était pas aussi horrible à la voir que ce que j'aurais cru. Par contre, dans ses actes, c'est pas du joli. Donc on a vraiment cette idée d'être instrumentalisé, et c'est pour ça que dans l'exposé que je compte faire, ce que je veux mettre en évidence, c'est les inconsistances des doctrines des droits de l'homme, voilà, qui en fait se sont accaparées une partie de quelque chose qui est très légitime, je vais pas développer le thème aujourd'hui, est passé par très probablement aussi par la générosité chrétienne, l'ouverture à la discussion, la contradiction, pour en fait garder certains aspects et puis arriver finalement dans la réalité à opposer ce que l'on dit à ce que l'on fait. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu perché mon truc, je suis désolé, mais je suis en plein dedans là.